Le cinquième film de la saga Indiana Jones, Cadran du Destin, sortira en salle le 28 juin 2023. On se souvient tous du petit garçon, joué par Jonathan Kekuan, qui tenait l'affiche aux côtés d'Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Que devient-il aujourd'hui? Il avait attendri tous les fans de la saga Indiana Jones, du célèbre réalisateur américain Steven Spielberg, dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Le personnage de Demi-Lune, joué par l'acteur néo-vietnam Jonathan Kekuan, était le binôme d'Indiana, campé comme toujours par le génial Harrison Ford. À l'époque, le petit garçon avait seulement 12 ans. Pendant la même période, Jonathan Kekuan avait également joué le personnage de Data dans le film Les Goonies. Dans les crédits du film Indiana Jones et le Temple Maudit, Jonathan Kekuan est néanmoins crédité sous le nom de Jonathan Kewi, car sa famille avait préféré changer de nom. Ses parents, respectivement de Hong Kong pour sa mère et de Chine pour son père, ont émigré aux États-Unis après que l'armée de la République du Vietnam a été défaite lors de la chute de Saigon. Sa famille a été choisie pour l'asile politique. Une seconde vie de chorégraphe de combat. Jonathan Kekuan parle couramment le cantonais, le mandarin et l'anglais. Il a fait ses études à la prestigieuse University of Southern California School of Cinematic Art et a continué sa formation à la non moins fameuse Université de Manchester, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Jonathan Kekuan a 51 ans. Dans sa jeunesse, il a également joué dans la série Les Contes de la Crypte, diffusée entre 1989 et 1996. Mais il n'a pas souhaité poursuivre à temps plein dans la comédie. Désormais, Jonathan Kekuan est en effet chorégraphe de combat pour le cinéma, notamment pour de grands blockbusters d'action comme la saga Matrix, des sœurs Lana et Lily Wachowski, et X-Men, la franchise de Marvel. On a également pu l'apercevoir dans le succès de l'année 2022 Everything Everywhere All At Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert. Pour ce film, il a remporté le Saturn Awards 2022 du meilleur acteur dans un second rôle. Une carrière qui fait rêver.